Salut, je suis Lambert Kouassi. Je suis là pour vous apporter encore des informations, des précisions ou si vous voulez des clarifications sur des tokens dont certaines personnes s'en servent pour pouvoir induire les gens en erreur. Nous allons principalement parler de deux tokens. Le token appelé ECC, qui est le token de EtherConnect, et le token appelé CrowdOne. CrowdOne. Alors, du coup, vous savez, en ligne, les symboles que les entreprises utilisent, vous voyez les noms des tokens, ça peut se ressembler. Souvent, il y a des petites différences qu'il faut voir. Toujours, il y a un logo qui accompagne. Regardez ici, il y a toujours un logo qui accompagne le token. Vous comprenez, regardez ici à gauche, ici, tous les tokens que vous voyez là, il y a un logo qui accompagne. Donc, les compagnies ont aussi leur logo. Et quand une compagnie crée un token aussi, le token a un logo. Il ne s'agit pas seulement de tenir compte du nom pour dire que, bon, telle compagnie vient de créer un token. Il est question de EtherConnect qui a un token, mais qui n'a rien à voir avec le token qui est sur ici, sur CoinMarketCap. CrowdOne non plus n'a jamais créé de token ni de crypto-monnaie. Certaines personnes utilisent ça pour influencer les gens. Vous voyez, non, je t'ai parlé de CrowdOne, tu vois, ils ont créé leur token. CrowdOne n'a jamais a dit qu'elle n'est pas une compagnie de crypto-monnaie. Vous comprenez? Voilà. Donc, cette tendance à vouloir miroiter quelque chose de faux aux gens, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Et vous, qui tombez dans ce genre de piège, vous manquez d'informations et ne vous laissez pas aller. Je suis là pour vous préciser les choses sur ces deux tokens. Donc, je viens ici dans la partie recherche. OK, je tape CrowdOne. Vous voyez que ce CrowdOne, ce n'est pas le CrowdOne n'a jamais écrit le nom de CrowdOne n'a jamais été ceci. Le crowd, c'est un mot anglais qui veut dire la foule. OK? Donc, des gens peuvent créer leur système appelé aussi CrowdOne, mais qui n'a pas la même écriture. Ce n'est pas CrowdOne comme ça. Ce n'est pas CrowdOne comme ça. CrowdOne, on dit, il n'y a rien. Donc, CrowdOne que vous connaissez, ça s'écrit comme ça. CrowdOne. CrowdOne. Mais CrowdOne, comme ça, avec O-N-E, qui veut dire aussi un, mais écrit en lettres, c'est un token qui n'est même pas encore totalement, on ne peut pas traquer actuellement sur CoinMarketCap, mais qu'on peut voir le nombre de pièces en allant sur pour aller voir le symbole, ou bien comment on appelle le smart contract, sur Etherscan, on voit que c'est une entreprise qui est sur le point de lancer un token qui fait 210 millions de pièces, OK? Et en abrégé, le symbole, c'est CRD. CRD, qui n'a rien à voir avec CrowdOne. Donc, maintenant, ici, regardez là. Contrat, le contrat est là. Le symbole, c'est 18. Le décimal, pardon. Et le symbole, c'est CRD. Vous comprenez? Et on peut voir le nombre de transactions qu'il y a eu déjà avec ce truc-là. Il n'y en a que 6 holders, c'est-à-dire 6 personnes qui détiennent. Vous savez, ce n'est pas une monnaie qui est tradée actuellement, qui peut être utilisée. Donc, s'il vous plaît, arrêtez. Vous qui avez été mal informé, qui vous croyez que CrowdOne a créé un token, je suis là pour vous dire que c'est faux. CrowdOne n'a pas créé de crypto-monnaie et Pleuma n'a pas l'intention d'en créer. Comprenez? Mais CrowdOne peut utiliser des crypto-monnaies pour le bien de ses membres. En parlant de multi-wallet, CrowdOne peut utiliser le multi-wallet comme plateforme de change où les gens peuvent échanger plusieurs types de crypto-monnaies là-bas ou acheter, acquérir des crypto-monnaies pour qu'elles-mêmes puissent se faire de l'argent dans les transactions, dans les frais de transaction, dans les frais de conversion. Voilà ce qui intéresse CrowdOne pour votre information. Bien, ça c'est en ce qui concerne ce token. Bien, CrowdOne. Bien. L'appellation, le son, ça sonne la même chose, mais l'écriture, ce n'est pas la même chose. Et le logo, vous avez bien vu le logo? Le logo n'a rien à voir avec le logo de CrowdOne. Bien, revenons maintenant sur le deuxième, parlant de ECC. ECC s'écrit comme ça, vous savez, EtherConnect s'écrit ECC, comme ça. Et donc, il y a des gens qui ont vu ça, et ils se disent, mais attention, EtherConnect dit que sa monnaie est en train de prendre la valeur, est en train de monter, monter, monter. Comment se fait-il qu'il y a deux valeurs? Ici, ECC. Bon, souvent, les gens ne font pas attention, mais regardez le logo qui est derrière là. Est-ce que ce logo qui est derrière là est le même logo que le logo de EtherConnect? EtherConnect vous a clarifié les choses sur un PDF que je montre ici. Voilà leur logo. Voilà le logo d'EtherConnect. C'est ce logo-là. Ce logo qui est là, ça n'a rien à voir avec ce qui est là-bas.
Vous comprenez? Deuxième point de précision, c'est interconnect. OK? Voilà. De passage, pour ceux qui tombent sur cette vidéo, qui vont dire, bon, c'est Ethernet, était une entre BitConnect qui est devenue Ethernet. Oui, la compagnie ne le cache pas. Elle dit bien, regardez, c'est le PDF, elle dit que BitConnect limité. Elle dit que, comme tout le monde le sait, que le BitConnect Limited a fermé ses opérations dans le monde entier en raison de la réglementation gouvernementale 2018. Donc, la SEC américaine a fait fermer cette entreprise en 2018. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, en 2018, la finance décentralisée n'était pas encore réglementée. Aujourd'hui, quand je parle, beaucoup de banques me rentrent dans la DeFi, dans la fintech concentrée sur les crypto-monnaies. À l'époque, ce n'était pas réglementé. Aujourd'hui, BitConnect est de retour avec un enregistrement légal complet. Maintenant, je vous pose la question. Si cette compagnie voulait faire du faux, vous n'êtes pas se faire voir que si elle avait fait de mauvaises choses dans le passé et qu'elle devrait revenir, croyez-vous qu'elle va prendre, elle va montrer aux gens que c'est moi qui étais BitConnect? Non. Réfléchissez un peu, les gars. Si moi, j'ai fait quelque chose de mauvais, que je veux revenir sur la toile encore de nouveau pour un projet qui me tient en cœur. Pourquoi est-ce que je vais aller vous dire que c'est moi l'ex-BitConnect? Je ne vais pas vous le dire. Je me donne un nouveau nom. Et puis, vous ne connaissez pas mon personnel, mon équipe. Je viens sur la toile, je monte un projet et puis j'avance. Mais ils vous font comprendre que c'était eux qui étaient l'ex-BitConnect. Ça, au moins, ça veut interpeller pour vous dire qu'ils sont transparents dans ce qu'ils veulent faire. Vous comprenez? Et puis, allez-y chercher à comprendre un peu leur projet actuel. Leur projet actuel, ils veulent devenir quoi? Une banque DeFi. Voilà. Une plateforme bancaire DeFi, où ceux qui détiennent ces ECC pourront percevoir des dividendes quand ils vont pouvoir faire des frais, des prêts à des gens. La banque décentralisée, où des gens, grâce à la blockchain, peuvent venir obtenir des prêts avec des taux d'intérêt, avec des garanties, et la blockchain le fait. Et le système est un système de banque décentralisée. Bon, bref, ce n'était pas l'objet, c'était juste une parenthèse pour ceux qui ne savent rien de tout ça, et que quand ils vont écouter la vidéo, ils vont dire, mais Ethernet, c'est BitConnect, c'est la même chose. Mais je viens de vous expliquer la raison pour laquelle ils sont revenus encore sur le marché. Ils sont réglementés maintenant et ils viennent sur le marché à nouveau. Maintenant, parlons du prix. OK, du prix, de la valeur. La valeur qui est ici, c'est 0,00002. Maintenant, regardez la vraie valeur. La valeur, c'est 0,27 qui est sur la plateforme. 0,27 actuellement, 0,27, 26 actuellement. Alors, là, ça change du jour au lendemain. Vous comprenez? Donc, ce que je vais signaler ici, c'est que les gens disent, mais pourquoi il y a deux prix? Ici, sur le site, c'est 0,27, 26. Et puis, quand on vient sur le site ici, comment on appelle ça? Quand on vient sur. Voilà, quand on vient ici, le prix, c'est 0,00003. Alors, si vous partez plus loin pour vérifier les choses, OK, regardez ici, on vient sur. Est-ce que c'est là qu'il faut vérifier? Voilà. Vous voyez que ça n'a rien à voir. Voilà le site Internet. Hein? OK, voilà le site Internet. Vous voyez là? Donc, ça, c'est différent. Ça, c'est une autre compagnie qui est en train de lancer son token. Ça, c'est le site qui est là. Et puis, c'est en train de s'ouvrir. Et puis, regardez le site d'Ethernet. Bon, je vais me déconnecter. Voilà le site d'Ethernet. Voilà le site. Donc, souvent, vous voyez, nous, sur le net, on essaie d'aider les gens à pouvoir être informés. Vous voyez? Quand vous êtes novice, que vous ne savez pas ce genre de choses, quelqu'un vient, il va vous dire, bon, d'ailleurs, il y a des gens qui, ayant eu une bonne image de Ethernet, qui savent que c'est une crypto-monnaie qui est en train de prendre la valeur, qui est en train de fracasser, je vous le dis, ils vont dire, mais je vais prendre des ECC. Et ils vont venir acquérir des ECC, pardon, des ECC de ça là, qui n'a rien à voir avec le vrai ECC qui actuellement cartonne un peu partout. Vous comprenez? Donc, ça crée de la confusion. Mais non, c'est vous qui avez des problèmes. C'est vous qui avez des problèmes de compréhension. La compagnie, elle, n'a rien à voir. Donc, ce token-là, on peut voir déjà son historique dans le temps.
voyez que, bon, elle a été lancée quand même un peu longtemps, hein, mais 2021, elle est en train d'évoluer. Voilà. Ça n'a rien à voir avec Interconnect. Vous comprenez? Voilà. Donc, ce sont des informations. Voilà le site d'Interconnect. Voilà le site. OK. Et la compagnie Interconnect veut pouvoir. Le nombre de pièces disponibles pour Interconnect, c'est 114 millions et quelques de pièces. Voilà. 114 244 542. Et actuellement, ils font du staking. C'est-à-dire, lorsque tu viens, tu bloques ton nombre de, le nombre de pièces, tu ne peux pas échanger durant 365 jours. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils veulent atteindre un objectif. Durant 365 jours, tes pièces sont bloquées. Tu achètes des pièces qui sont bloquées durant 365 jours. Et durant 365 jours, comme vous le savez, c'est la capitalisation divisée par le nombre de pièces disponibles qui donne la valeur d'une monnaie. Si vous voulez, c'est l'offre et la demande. L'offre, c'est le nombre de pièces. La demande, c'est ce que les gens veulent obtenir en déposant une certaine somme d'argent. Et donc, les monnaies prennent la valeur. Lorsque vous divisez la capitalisation par le nombre de pièces, ça donne un montant quelconque. Par exemple, si vous prenez le Bitcoin aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui le Bitcoin est en train d'aller vers les 40 000 dollars? C'est parce que si vous divisez les, comment on appelle, la somme d'argent qui est de 1648 milliards, 781 millions, 767 734, vous divisez ce montant-là par le nombre de pièces en circulation qui fait sur les 21 millions de pièces, actuellement, il y a 18 735 456 pièces qui sont en circulation. Vous prenez ce montant, la capitalisation, divisé par ce montant, vous allez avoir le nombre de le prix d'une pièce. Vous comprenez? C'est la même chose pour Ethereum. Ethereum vaut actuellement 2 581 dollars parce qu'il y a une capitalisation de 300 milliards divisé par 300 milliards de dollars divisé par 116 millions 299 561 pièces, c'est ça qui fait 100. Vous comprenez? Et c'est la même chose pour les pièces, les crypto-monnaies. Bon, juste pour vous donner ces deux précisions, pour vous dire de faire très attention, les crypto-monnaies peuvent se ressembler, mais ce n'est pas la même chose, vous comprenez? Si vous partez, par exemple, sur un truc comme Etherscan, Etherscan, non, Bscan. OK. Pour parler un peu de, comment on appelle, des tokens. OK. Pour le vérifier souvent, les smart contracts sur Etherscan, bien sur Bscan. Alors, si on vient ici, par exemple, on tape un truc tel que WZR. Vous voyez? Vous voyez que beaucoup de choses sortent ici. Regardez ici. Wizard Token. OK? Et puis Ozu. Et puis regardez là, Ozu. 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 Et puis regardez ça, le WZR qui est le logo, le symbole de Ozu. Regardez là. On met là encore Wazi Farm. Wazi Farm, qui en abrégé WZR. Vous voyez tout ça? Et puis il y a Ozu Simple. Et puis il y a Wanzer. Wanzeron, il y a quelque chose, un projet WD, qui sont aussi, attendez, il y a quelqu'un dessus, qui sont regardez ici. Vous voyez? Donc, tout ça peut faire que des gens peuvent se tromper de token. Vous voyez? Ça peut se tromper, on peut se tromper facilement de token. Vous comprenez? Donc, à vous de savoir faire vos recherches. Par exemple, si je veux faire la recherche, je vais taper le vrai nom, Othercoin, par exemple. Et lui va me lister, il va me faire la recherche pour me trouver le nombre de. Bon, est-ce que c'est ici qu'il faut chercher? Donc, je viens ici dans la partie token, dans la partie recherche, je tape Other. Vous voyez que tout ça sort. Dans tout ça, lequel qui est bon? Je vais essayer de voir là où. Le nombre de pièces de Rosa, c'est 21 millions de pièces. Je vais cliquer sur l'un d'entre eux pour voir. Ça, c'est ce qui est le token de Rosa. Et c'est le smart contract qui est là. Mais si je fais l'inverse, au lieu de prendre ça, je viens ici, je tape Rosa. OK? Et je tombe sur
Parce que Wozzeur, durant l'ICO, a vendu 15 millions de pièces et a gardé 6 millions de pièces. De tout faire, 21 millions de pièces. Si quelqu'un vient, il peut faire ça. Et puis, il vient ici, il prend par exemple celui qui est ici, là, Wozzeur, qui est à la fin ici, là. Et puis, il regarde, il voit. Je choisis, non? Ça ne sort pas. Faut que ça vienne. Et donc, il voit le nombre de pièces et qui ne correspond pas. Il va dire, bon, mais est-ce que ce que tu vois, est-ce que ça, c'est pour, bon, c'est bon. Mais s'il tombe sur un autre qui n'est pas ça, il va dire, bon, c'est nul. Voilà, c'est nul. Voilà. Donc, s'il vous plaît, faites attention. OK? Faites attention dans vos choix en voulant vérifier les monnaies. Donc, ECC, ça n'a rien à voir avec Ethereum. OK? Et Crown, que vous avez vu, n'a rien à voir avec la monnaie de Crown. Crown n'a jamais créé de token ni de crypto-monnaie jusqu'à présent. Voilà, à moins qu'un jour elle invente encore ça, là on ne sait rien. Merci et passez une bonne journée. C'était juste pour apporter ces précisions. S'il vous plaît, un conseil que je vais vous donner. Si vous voulez faire des affaires en ligne, votre plus grand ennemi, c'est votre ignorance. Voilà. Votre plus grand ennemi sera votre ignorance. Et puis votre innocence, il fait que vous avez confiance en tout. Et puis vous mettez votre argent dans tout. Si vous n'avez aucune connaissance, excusez-moi, faites vos côtiers, informez-vous. Et c'est pour ça que ma chaîne YouTube existe. L'Internet est vaste, je ne pourrais pas toucher tous les points. Mais quand je vois des gens en train de s'embourber dans des situations, je fais des vidéos. Et je commence à remarquer que beaucoup de personnes parlent de la crypto-monnaie de Crown, et parlent d'une crypto-monnaie de ECC qui n'a rien à voir avec la celle de Ethereconnect. Bonne journée à vous et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Mon nom, c'est Lambert Kwasi. Ciao.